Coche. Vous c'est quoi maman? La trose. Ok, asseyez-vous. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Asseyez-vous. Au nom souverain de Jésus. Père, je commande au démon de la trose de libérer son corps maintenant. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. La trose la quitte. Touchez votre dos où vous avez mal. Touchez où vous avez mal partout. You are free. Vous êtes libre. Maman, suivez-moi. Suivez-moi. Prenez le sac. Accrochez ça comme une jeune demoiselle. Oubliez la trose. Marchez comme quand vous avez 16 ans. Elle est étonnée, elle ouvre la bouche elle-même, elle est étonnée. Elle est étonnée, la maman ouvre la bouche, elle dit hé hé. Maman, vous êtes étonnée. Vous êtes étonnée. Étonnée. Donc attendez. Donc vous venez dans l'église si vous ne vous attendez pas que Dieu va vous guérir. Ah! Elle vient ici à Réma. Elle est étonnée de la guérison. Elle est étonnée. Maman, qu'est-ce qui vous étonne alors? Elle n'est plus avec moi. Elle dit qu'elle essaie d'avoir, je marche un peu, pardon, ça fait longtemps. Vous êtes contente? Vous êtes contente? Très très contente, papa. Waouh! Je suis très contente. 12 ans! 12 ans. 12 ans de souffrance. Le Seigneur l'a guéri sans problème. C'est rien, ça va. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et pour nous guérir de nos infirmités. Maman, ne vous en faites pas. Hein. Le Seigneur vous a guéri et Dieu vous a béni et Dieu vous a restauré. Vous comprenez? Dieu vous a restauré. Dieu vous a restauré. Donc quand vous rentrez chez vous, tout va bien désormais. Amen. Tout va bien, tout va bien. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que vous promettez à Jésus? Vous promettez quoi au Seigneur Jésus? Vous promettez quoi à Jésus qui vous a guéri? Parce que c'est lui qui vous a guéri. J'aime ça, maman, que Dieu vous bénisse. J'aime ça.